Et je considère que le contexte international se complique et fait courir le risque d'un affaiblissement de l'Occident et plus particulièrement de notre Europe. Il nous faut être lucides sans être excessivement pessimistes dans ce contexte. D'abord, il y a une dilution objective de notre population, de notre richesse produite, de notre part dans les échanges mondiaux. C'est plus vrai encore depuis la crise de 2008-2010. C'est le fruit de l'émergence de grandes puissances internationales qui s'impose. Ça a été renforcé par la crise énergétique, notre Europe n'étant pas productrice d'énergie fossile, en tout cas à court terme. Ça vient consolider aussi des stratégies que nous poursuivons, mais c'est là. Et c'est un fait.